Donc on est... Je sais même pas quel jour on est. On est mercredi 21 janvier. Je viens à peine de me réveiller. Il est 6h40 et c'est le jour de mon départ. Mes grands-parents viennent me chercher dans 40 minutes. Donc voilà. J'ai pas beaucoup dormi, j'ai l'impression d'avoir fait une sieste. Bref, voilà. Donc je vais me préparer. En fait, je peux pas manger dans le resto parce que il faut genre un test antigénique négatif en plus du vaccin ou quel autre, n'importe quel autre certificat. Du coup, je mangeais là, enfin sur un banc. Et j'ai mon avion dans 4 heures, donc je vais faire du shopping, les duty free aussi. Ils sont énormes. Mais voilà, c'est bien passé le vol. Il y avait des perturbations, enfin je sais pas comment on appelle ça. Mais voilà. J'ai fait un peu que je puisse pas m'asseoir normalement, enfin, c'est pas grave. Donc là, on est un jour après qu'on soit arrivé et je vais faire un test PCR. Donc là, j'attends. Il fait moins 10 degrés, genre. C'est trop beau, genre, plein de neige et tout. Je suis aussi allée changer un forfait pour pouvoir utiliser internet, genre dehors. Et voilà, et après, mon père il va me montrer comment on utilise le métro ici, comme ça, genre, je dépends pas de lui, genre, il va pas devoir me chercher à 24. Voilà. Bon les gars, en vrai là je vous ai pas rien raconté. Mais en gros là il est genre 19h, genre 15h et je vais me balader genre seule dans le centre de Moscou. Seule et j'ai jamais pris le métro seule etc. Genre je me suis jamais baladée seule en Russie genre. Du coup je sors et les gens ils se foutent de ma gueule parce que je parle seule à mon téléphone. Bref du coup là je vais un peu visiter, enfin visiter genre me balader et tout. C'est vraiment hyper beau. Voilà je vais arriver à la place rouge. Genre le truc connu, enfin bref, vous allez comprendre. Voilà, en tout cas, pour l'instant, ça se passe bien. Je me suis pas perdue. En même temps, c'est pas très compliqué.
крещения от Иоанна Крестителя. Кто-то успел одеться, а кто-то обнажен. И все взгляды, жесты, все люди хотят увидеть Спасителя мира, Христа во всем. Aujourd'hui, et là je marche à travers le parc habituel pour rejoindre le métro. Je dois passer par là, et voilà. Donc aujourd'hui, je vais passer la matinée, genre l'après-midi avec ma mère, et le soir, je vais passer avec mon père, et ma belle-mère, et mes petits frères et sœurs. Donc, je vais prendre mon téléphone. Bref, là je vais rejoindre le métro, et on va faire un truc trop cool. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un... C'est du beurre au poisson. Il y a du pain qui va avec, on va goûter. Alors, clip, tout ce qu'on a gagné. Je peux te salmer. En plat, j'ai pris une soupe russe, poisson, et il y a un petit comme ça aussi, donc on va voir. Bon les gars, me revoilà dans ma marche habituelle pour aller jusqu'au métro. Il fait vraiment un temps trop bien aujourd'hui, genre il neige. Et regardez, il y a plein de neige. Mais genre il fait pas hyper froid, genre j'ai même pas de gants. Je vais sûrement les mettre plus tard, mais pour l'instant ça va. Putain, j'ai la neige qui me souffle dessus. Bref, et là du coup je vais dans le centre. Là, je vais faire un truc qu'on n'a pas fait la dernière fois parce qu'on n'avait pas de test PCR. Parce qu'en fait ici, genre les vaccins français, enfin européens, ils marchent pas, il n'y a que le vaccin russe qui marche. Et du coup, il faut faire des tests PCR. Si t'as pas de vaccin, tu peux pas. Les tests PCR, bon, en fait c'est payant, du coup c'est chiant. On va faire tous les 3 jours, mais il n'y a pas besoin pour aller au resto, genre c'est juste pour faire des trucs genre touristiques, en fait aller au musée et tout, il y a besoin de tests PCR. Mais sinon, enfin les trucs basiques, genre pour aller au resto, au café, etc., il n'y a pas besoin du tout. Enfin, même pour aller dans les centres commerciaux. Donc voilà. Donc je rejoins ma mère. Et voilà, donc aujourd'hui je me sens bien. Hein. Ça va être une bonne journée. On est le 20 janvier et je vais finir cette partie de vidéo ici. Je vais sûrement faire une deuxième partie parce que je reste jusqu'au 5 février. J'ai changé mon billet. Voilà, dans 2 jours c'est mon anniversaire.
J'aurai 21 ans le 22 janvier. Bref, du coup, je vais sûrement faire une vidéo à part. Voilà. Donc, je suis désolée, c'est pas forcément très long, mais je passe beaucoup de temps avec ma famille du côté de mon père que j'ai pas vu depuis 3 ans. Donc, c'est pour ça que je passe pas non plus ma vie à filmer. Mais ça me fait aussi plaisir de vous montrer un peu la Russie, genre des images et tout. Donc voilà. Donc, je vais vous laisser là et j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve vite pour la suite.